Le 16 octobre, Xi Jinping a présenté un long rapport lors de la session d'ouverture du 20e congrès national du PCC. D'après vous, quels sont les points importants, les idées majeures qu'il faut retenir de ce rapport, Monsieur Ding? Oh, il y a alors tellement de points importants qu'on aura du mal à faire un bref résumé de tout ce qu'il a dit. En fait, les points saillants de son rapport d'activité, ce sont le travail du passé et la perspective du travail du Communiste Parti pour l'avenir. D'abord, ce qui compte énormément, c'est d'abord la discipline du parti. Donc, dans le passé, le parti a fait appliquer une discipline stricte et a éliminé, disons, des hauts fonctionnaires, des responsables suffisamment élevés au sein du parti, qui ont été éliminés à cause de leur corruption, etc., etc., ce qui occupe une partie importante de son discours. Finalement, en ce qui concerne la solution de Taïwan, était aussi un point de vue très attendu, mais aussi très apprécié celui-ci par les délégués du Congrès. Donc tout cela, ce sont des points saillants de son discours. À part cela, il y a aussi le travail gouvernement, parce que le Parti communiste chinois, en tant que Parti communiste, avait visé sur des objectifs de la justice sociale. Et de ce point de vue, le Parti communiste chinois a réussi à accomplir des tâches d'importance primordiale, telles que l'éradication de la pauvreté absolue, par exemple. La Chine est le seul pays au monde qui ait réussi cette prouesse d'éradiquer la pauvreté absolue. Bien que la Chine ne soit pas encore le pays le plus riche du monde, nous avons réussi tout de même à éradiquer la pauvreté absolue. Et ça, c'est aussi un point très important pour les cinq ans passés, pour les cinq dernières années. Et Monsieur Wu, pour vous, quels sont les points importants ? Ben, comme le professeur Ting a dit, tous les points évoqués dans le rapport sont importants. Voilà. J'ai écouté attentivement le rapport présenté lors du congrès il y a quelques jours. Donc, pour moi, il y a beaucoup de points qui sont intéressants, importants et intéressants. Par exemple, à part ce que professeur Ting a mentionné, il y a aussi la réaffirmation de la politique d'ouverture de la Chine. Voilà, parce que aujourd'hui, vous savez, il y a la tendance dans le monde à la fermeture. L'isolationnisme, le protectionnisme court aujourd'hui. Mais la Chine, dans ce rapport, la Chine a réaffirmé la volonté d'appliquer la politique d'ouverture. Ce sera une ouverture encore plus élargie. Bon, ça c'est un point important. Deuxième point important que j'aimerais bien signaler concerne toujours la politique extérieure. Encore une fois, dans ce rapport, la Chine a réaffirmé sa détermination pour le développement pacifique. La Chine ne prétendra jamais à l'hégémonie mondiale. Xi Jinping a réitéré cette phrase. Je crois que c'est déjà une politique qui a été affirmée, réaffirmée à maintes et maintes reprises, à toutes les occasions solennelles. Et ici, à l'occasion du 20e congrès, évidemment, cette phrase pèse. La Chine ne cherche pas l'hégémonie mondiale. La politique de la Chine, qui vise à construire une communauté de destin pour l'humanité, fait vraiment ses effets. Je crois que la majorité des pays dans ce monde approuvent ce que la Chine propose, c'est-à-dire les êtres humains dans ce monde, au lieu de s'entretuer, au lieu de se rivaliser dans un sens négatif, il vaut mieux coopérer, vivre ensemble en paix, pour une communauté de destin, pour l'ensemble de l'humanité. Je crois que ça, c'est aussi un point très important.